a donc mené un combat difficile. Un combat qui l'a amené à passer 5 ans à la prison de Grand Laou. Et c'est le 8 juillet 1952 que le saint prophète Papa Nouveau a vaincu, a gagné et est revenu sur la terre de ses ancêtres pour pouvoir s'asseoir. Le nouveau Moïse, parce qu'il a combattu toute sa vie